Verse le même sang, le même sacrifice, sacrifie la même chair et le même sang. C'est la même histoire, exactement la même, éternellement la même, qui est arrivée dans ce temps-là et dans ce pays-là, et qui arrive tous les jours. Dans tous les jours de...
de toute éternité. Dans toutes les paroisses de toute chrétienté, que ce soit dans Lorraine et que ce soit en France, tous les bouts sont brillants. Pas votre bonheur, Israël, Israël, vous ne connaissez pas votre bonheur. Mais vous aussi, chrétiens, vous ne connaissez pas aussi votre bonheur. Votre bonheur présent. Votre bonheur éternel, Israël, Israël, vous ne connaissez point votre grandeur, mais vous aussi, chrétiens, vous ne connaissez pas votre grandeur, votre grandeur présente. Qui est la même grandeur, votre grandeur éternelle. Tous les bouts sont traînés sous le regard de Dieu. Tous les bouts sont chrétiens. Tous les bouts sont sacrés. Tous les beaux sont à Dieu sous le regard de Bonjour ma fille, que Jésus le Sauveur sauve à jamais ton âme. Ainsi soit-il, Madame Gervaise. Mon oncle vous a dit que je voulais vous voir. Oui ma fille, et j'ai pensé que tu étais malheureuse. On s'imagine ici dans la paroisse que tu es heureuse de ta vie parce que tu es bonne chrétienne, parce que tu es bonne paroissienne, parce que tu es pieuse, parce que tu as bien fait ta première communion, parce que tu vas bien à la messe aux vêpres, parce que tu vas souvent à l'église et que dans les chants, tu te mets à genoux au son lointain des cloches du calme. Je sais, moi, que tout cela ne suffit pas. J'ai pensé que tu étais malheureuse, toi aussi, et c'est pour cela que je suis venue tout de suite. Savez-vous, Madame Gervaise, que les soldats partout vont à l'assaut des bourgs et forcent les églises ? Je le sais, ma fille. Savez-vous qu'ils font manger l'avoine à leurs chevaux sur l'autel vénérable ? Je le sais, ma fille. Savez-vous, Madame Gervaise, que le bon Dieu me pardonna jamais d'avoir osé vous dire ces paroles ? Savez-vous que les soldats boivent dans les très saints calices le vin qui les saoule ? Je le sais, ma fille. Savez-vous qu'ils font ripaille avec les très saintes aussi consacrées ? Je le sais, ma fille. Et je sais que la damnation va comme un flot montant où les âmes se noient. Et je sais que ton âme est douloureuse à mort quand tu vois l'éternelle, la croissante éternelle damnation des âmes. Savez-vous, Madame Gervaise, que nous qui verrons tout cela se passer sous nos yeux, sans rien faire à présent, que des charités vaines, et sans vouloir tuer la guerre, nous sommes les complices de tout cela, nous qui laissons faire les soldats. Savez-vous que nous aussi, nous sommes les tourmenteuses des corps et les damneuses des âmes. Je sais, ma fille, que vous êtes, vous toutes, les damneuses des âmes. Et je sais que ton âme est douloureuse à la mort de savoir qu'elle est complice du mal universel. Et tu te sens désespérément lâche. Mais ce n'est là rien encore. Ma fille, pardonne-moi les paroles que je vais t'oser dire après. Je m'en irai, si tu le veux, sans te voir plus jamais. Je sais aussi ta souffrance nouvelle.
Je sais la souffrance qui te paraît effroyable au-delà de toute souffrance. Tu as connu que tous ceux-là sont lâches que tu avais aimés. Tu as connu que ton père est lâche, que ta mère est lâche, et tes frères, et ta grande sœur, et tes amis. Mangette que j'ai vue ce matin, Oviette qui ne veut pas me voir, tu as connu qu'ils sont lâches, tous, et complices du mal universel, et qu'ils en sont responsables. Responsables des âmes qui se damnent à ces âmes elles-mêmes, et responsables à Dieu, car les âmes sont à lui. Et vous les laissez damner sans rien faire, et vous vous damnez vous-même à laisser ainsi damner les âmes de Dieu. Depuis que tu as connu cela, tu es menteuse. Menteuse à ton père, menteuse à ta mère, à tes frères, à ta grande sœur, à tes amis, car tu fais semblant de les aimer, et tu ne peux pas les aimer. Et pourtant, tu les aimes tout de même. Menteuse à toi-même, car tu veux te faire croire que tu les aimes, et tu ne peux pas les aimer. Et pourtant, tu les aimes tout de même. Tu ne les aimes pas, et pourtant, tu les aimes. Et tout s'est à jamais faussé dans ta vie. Fausser l'amour filial et fausser l'amour fraternel. Fausser tes amours, fausser tes amitiés, fausser tous tes sentiments. Ta vie toute entière est menteuse et fausse. Et tu vis dans ta maison parmi les tiens. Et tu te sens plus irréparablement seule et malheureuse qu'une enfant sans mère. C'est vrai, il est vrai que mon âme est douloureuse à mort. Je suis dans une détresse. Je n'aurais jamais cru que la mort de mon âme fût si douloureuse. Tous ceux-là que j'aimais sont absents de moi-même. C'est ce qui m'a tué sans remède. Et je sens pour bientôt venir ma mort humaine. Oh, qu'ils viennent au plus tôt, mon Dieu, ma mort humaine. Oh mon Dieu, j'ai pitié de notre vie humaine, où ceux que nous aimons sont à jamais absents. Enfant, ayez pitié de la perdition. Enfant, ayez pitié de la vie infernale, où les damnés maudits, où les damnés perdus ont la pire souffrance. Que Dieu même est absent de leur éternité. Blasphémé Dieu dans sa miséricorde infinie a bien voulu que la souffrance humaine servît à sauver les âmes, mais il n'a pas voulu que la souffrance infernale servît à sauver. N'accepterai pas de sauver les âmes sans danger. Nous souffrons de là-bas. C'est pour cela que notre maître a tout. Le fils de l'homme savant a donné sa souffrance. A bien nous donner pour sauver nos âmes, toutes souffrances valables. Et jusqu'à valable, souffrant de la tentation. Il n'est jamais allé jusqu'à donner la veine souffrance même du péché. Sauveur a bien voulu donner toute la souffrance humaine, mais il n'a pas voulu se damner, car il savait que sa souffrance la vie ne pourrait pas servir à nous sauver. C'est fou donc pour sauver de la flamme éternelle les cœurs des morts damnés. Souffrance, laissez-moi dans mon corps à la souffrance.
silence éternel. Les samedis d'année s'affolent de l'absence. Et c'est longtemps mon âme à la souffrance humaine qui reste vivant. Oh, la souffrance humaine. Vous avez blasphémé, tassé le fil de l'homme à son nom suprême, qui a escaladé les courants à l'angoisse. La meuf sonna faux comme un temps blasphème. C'est que le fil de Dieu savait, c'est que le fil de Dieu savait que la souffrance, fil de l'homme est belle à sauver les damnés, et ça voulant plus que de la déférence. Jésus en gloire sur les abandonnés. Quand il sentait monter à lui sa mort humaine, sans voir sa mère en pleurs, ni douleuse en bas, droit au pied de la croix, ni Jean ni Madeleine, Jésus mourant pleura sa mort de Judas. Il avait connu que le damné suprême jetait la dent du sang qui s'était fait payer. Se bander là-bas, l'abandonné suprême, et que l'argent servait du potier. Étant le fils de Dieu, Jésus connaissait tout, et le sauveur savait que ce Judas qu'il aime, il ne le saurait pas, se donnant tout entier. Et c'est alors qu'il suit la souffrance infinie. C'est alors qu'il sentit l'infinie agonie, et clama comme un fou, les pauvres sa angoisse. Clameur chancela, Marie encore debout, par pitié du Père et de sa mort humaine. Pourquoi vouloir, ma sœur, sauver les mains d'années de l'enfer éternel, et vous a sauvé mieux que Jésus le Alors, Madame Gervaise, qui faut-il donc sauver? Comment faut-il sauver? En imitant Jésus, en écoutant Jésus. Le maître sauveur n'a pas même essayé de sauver les damnés après, car il avait connu que l'enfer éternel est enclos sans espoir. Il avait connu que ce sont des âmes fort closes, déclarées fort closes. Le maître sauveur n'a pas semé ni voulu que l'on semât, car il savait multiplier les pains. Il ne faut pas semer, car il sait encore multiplier les pains. Le maître sauveur n'a pas voulu que Pierre tire à l'épée contre les soldats en armes. Il ne faut pas faire la guerre. Jésus a prêché, Jésus a prié, Jésus a souffert. Nous devons l'imiter dans toute la mesure de nos forces. Oh, nous ne pouvons pas prêcher divinement, nous ne pouvons pas prier divinement, et nous n'aurons jamais la souffrance infinie. Mais nous devons tâcher, de toutes nos forces humaines, à dire, à communiquer, du mieux que nous pouvons, la parole divine. Nous devons tâcher, de toutes nos forces humaines, à prier, du mieux que nous pouvons, selon la parole divine. Nous devons tâcher de toutes nos forces humaines à souffrir du mieux que nous pouvons, et jusqu'à la souffrance extrême, sans nous tuer jamais. Tout ce que nous pouvons de la souffrance humaine. Voilà ce que nous devons faire ici-bas, si vraiment nous ne voulons pas lâchement laisser damner les autres, si nous ne voulons pas lâchement nous laisser ainsi damner avec eux. Je crois bien qu'au fond, je ne suis tout de même pas lâche. Voilà ce que nous devons faire ici-bas. Heureuse quand le bon Dieu, dans sa miséricorde infinie, veut bien accepter nos œuvres, nos prières et nos souffrances pour en sauver une âme. Trop heureuse quand sa faveur infinie veut bien choisir cette âme parmi celles que nous avons aimées. Ah, Jeannette, si tu savais, on t'aura dit souvent que j'avais fui le monde, que j'avais été lâche, que j'étais lâche, que j'avais abandonné maman. Si tu savais par combien de larmes et du sang de mon corps et du sang de mon âme, j'ai voulu sauver cette âme-là. Pardonnez-moi, mon Dieu, cet orgueil à jamais d'avoir osé choisir une âme à la sauver. Mais quand l'âme a passé devant le tribunal, si Dieu l'a condamnée à l'enfer éternel, nos œuvres ne valent pas pour elle. Nos prières ne valent pas pour elle. Et pour elle, nos souffrances ne valent pas. Ne donnons pas en vain pour elle nos œuvres vivantes, nos prières vivantes, nos souffrances vivantes. Il faut laisser les morts ensevelir leurs morts.
Alors, Madame Gervais, est-ce que vous voyez qu'une âme se damne ? Jamais nous ne savons si une âme se damne. Hélas, nous savons bien qu'il en est qui se damne. Voyons, Madame Gervaise, souvent nous croyons bien que telle âme est damnée. Ma sœur, quand je crois bien qu'une âme s'est damnée, je suis malheureuse et je donne à Dieu la souffrance nouvelle où mon âme est enclose à supposer damner une âme encore ici. Et quand vous voyez, Madame Gervaise, que vos prières sont vaines. Jamais nous ne savons si la prière est vaine. Et quand cela serait, c'est affaire au bon Dieu. Nos âmes sont à lui. Ce n'est pas à nous, ce n'est à personne à lui en demander raison. Adieu, Madame Gervaise. Adieu, ma fille. Que Jésus le Sauveur sauve à jamais ton âme. Ainsi soit-il, Madame Gervaise. Oh mon Dieu, je sais bien que Madame Gervaise a raison. Je sais bien qu'Oviette a raison. Oui, je sais bien, mon Dieu, que ma plainte est mauvaise. Que nos blés sont à vous pour faire la moisson comme il vous plaît. Je sais que vous avez raison. Vous avez aimé tout et fait tout pour le mieux. Dans la bataille humaine et dans la paix des cieux. Tout pour le mieux, hélas, dans l'infernale flamme. Et vous avez raison quand vous sauvez une âme. Et vous avez raison quand vous la condamnez. Oui, nos blés sont à vous pour la moisson des blés. Et nos âmes à vous à la moisson des âmes. Vous avez pour le mieux fait la souffrance infâme, éternelle à manger et douloureux d'année. Et fait la vie humaine et la vie éternelle. Et fait la mort humaine et la mort éternelle. Et vous avez raison dans la vie et la mort, sur la terre à jamais et dans l'éternité. Pourtant, mon Dieu, quand je pense qu'il y a des âmes qui se damnent, quand je pense qu'il y avait des âmes qui n'étaient pas encore damnées, au moment où j'ai commencé à vous dire cette prière et qui sont damnés à présent pour la mort éternelle. Quand je pense qu'à présent que je vous parle, toutes mes paroles vous trouvent occupées à damner des âmes. Pardonnez-moi, mon Dieu, si je dis à blasphème. Quand je pense à cela, je ne peux plus prier. Les paroles de ma prière me semblent ensanglantées du sang maudit. Et mon âme s'affole à penser aux damnés. À penser aux damnés, mon âme se révolte. Ô maître, daignez pour une fois exaucer ma prière, que je ne sois pas folle avec les révoltés. Pour une fois au moins, exaucer une prière de moi. Voici presque un an que je vous prie pour le mont vénérable de Monsieur Saint-Michel, qui demeure au péril de la mer Océane. Exaucez, ô mon Dieu, cette prière-là. En attendant un bon chef de guerre qui chasse l'Anglais hors de toute France, délivrez les bons chevaliers de Monsieur Saint-Michel. Ô mon Dieu, je vous en prie, une dernière fois. Jeannette, ils sont sauvés! Jeannette, ils sont sauvés! Ceux de Monsieur Saint-Michel? Ils sont sauvés, ils sont sauvés! Ils sont sauvés depuis 3 semaines! Oh mon Dieu, vous m'avez exaucé! Ah, il m'a exaucé aussi, moi, le bon Dieu! Il mangeait aussi? Le bon Dieu nous a exaucés toutes les trois! Il a exaucé tout le monde! Au revoir, je cours le dire à Mangette. Attends un peu, de qui sait-on la bonne nouvelle? D'un pèlerin qui a passé et qui s'en revient du mont. Au revoir.